Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le spot. La saison vélo est lancée. Premier rendez-vous incontournable du calendrier, le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. Un programme intense sur 3 jours de festival. Tous les passionnés de deux roues sont réunis à cette occasion. Et pour nous en parler, nous recevrons dans quelques instants l'un des pilotes français les plus titrés de l'histoire du VTT, Julien Absalon. On parlera notamment e-bike avec lui. Tout de suite, le sommaire de l'émission. 10 ans déjà que le Vélo Vert Festival lance la saison avec joie et bonne humeur. Le plus grand rassemblement de VTT en France continue de nous faire rêver chaque année. Une 10e édition anniversaire illuminée par un grand soleil et une ambiance tout aussi chaleureuse. Toute la grande famille du VTT était au rendez-vous. Au programme de cette édition, des courses pour tous, petits et grands, pilotes aguerris et débutants dans les magnifiques paysages du Vercors. Il avait annoncé sa retraite des compétitions l'an passé lors du Vélo Vert Festival. Julien Absalon, double champion olympique, quintuple champion du monde, quintuple champion d'Europe, 14 fois champion de France et 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde de cross-country. Le pilote français est toujours sur le devant de la scène VTT. Il est notre invité aujourd'hui dans le spot, l'occasion de faire le point sur l'après-compétition et de parler VTT électrique. Après un agenda 100% VTT, Thomas Mehi de chez iBike nous donnera ses conseils pour choisir votre premier vélo électrique. Tous les temps forts de cette 10e édition du Vélo Vert Festival à découvrir en fin d'émission. Et pour commencer, le premier week-end de juin a été riche en sensations et en émotions. On découvre ça tout de suite, les news. Une fois n'est pas coutume, le FIS a encore battu tous les records sur les berges du Lez à Montpellier. 612 000 spectateurs sur les 5 jours de festival, plus de 2000 riders venus du monde entier réunis pour l'occasion. Cette 23e édition restera dans les mémoires. Le BMX Dirt faisait notamment son grand retour sur l'événement pour le plus grand bonheur de tous. Une finale explosive devant près de 10 000 spectateurs. L'Américain Pat Cazet remporte la compétition haut la main avec 92,67 devant le Brésilien Leandro Moreira et l'Australien J2L. La France sacrée championne du monde de longboard à Biarritz, l'équipe de France a réalisé une compétition exceptionnelle sur les vagues de la Côte Basque. Une victoire par équipe au général et sur l'épreuve de relais. Une semaine ponctuée en beauté par la médaille d'or d'Alice Lemoigne, celle d'argent de Justine Dupont et d'Antoine Delperro et celle de bronze d'Edouard Delperro. Bravo les Bleus! Week-end, toujours dans l'Hexagone, la 3e édition de la Volvic Volcanic Experience a tenu toutes ses promesses. Au cœur d'une nature féerique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les trailers se sont évadés sur les différents parcours au programme de cette édition, lancée par Kylian Jornet quelques jours seulement avant qu'il ne remporte pour la 9e fois à Zegama. La course de 110 km candidate pour intégrer le circuit de l'Ultra Trail World Tour en 2020 a attiré l'élite du trail. Le Népalais Sand Sherpa s'impose en 10h45 de course et la Portugaise Sara Vergemonis s'impose chez les filles en 10h27 de course.
L'élite de DH avait rendez-vous en Écosse pour la deuxième étape de la Coupe du Monde à Fort William. Le Français Amaury Pierron a dominé la descente devant l'Australien Troy Brosnan et son compatriote Loris Vergier. Rachel Atherton s'impose en Écosse sans trop de difficultés. La pilote 7 fois vainqueur de la Coupe du Monde continue de dominer le circuit. La Française Marine Caribou prend la 4e place derrière l'Allemande Nina Hoffmann, 3e, et l'Australienne Tracy Hannah sur la 2e marche. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Un jeune retraité très actif, comment est-ce que ça se passe l'après-carrière en compétition ? Très bien, donc j'ai arrêté ma carrière tout juste un an, en 2018. Et puis tout naturellement, lorsque j'ai arrêté ma carrière de cross-country à haut niveau, j'ai souhaité partager mon expérience, donc j'ai créé ma propre équipe, Absolute Absalon. Et également, j'ai souhaité m'investir en e-bike, puisque ça faisait déjà de nombreuses années que j'avais intégré l'e-bike dans ma préparation de cross-country de haut niveau. L'un des premiers, je pense, à avoir compris qu'on pouvait utiliser un vélo assistance électrique pour complémenter l'entraînement en VTT de haut niveau. Et donc, j'étais en très bon terme avec Moustache Bike et je suis devenu ambassadeur de Moustache Bike et également de Bosch. Et pour me faire plaisir, je participe à quelques compétitions e-bike, mais vu que j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau, c'est vraiment avant tout pour le plaisir plus que pour des objectifs de résultats. On va reparler du e-bike si tu veux bien. Peut-être un mot, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir un regard sur ta carrière et sur l'évolution du vélo vers l'e-bike justement? Bah, l'e-bike, c'est vraiment en pleine explosion. Ça va forcément changer et ça a déjà changé le milieu et le business du cycle. Puisqu'avant, l'e-bike n'existait pas. Et lorsque, quelques années, il est arrivé sur le marché, c'est vrai qu'il a pris une ampleur importante. Et maintenant, on voit que sur un festival comme celui-ci, toutes les marques ont en catalogue des vélos assistance électrique. Donc, c'est un nouveau segment. Et même plusieurs segments dans le VAE, puisqu'en VAE, on peut utiliser un vélo assistance électrique pour se déplacer, un vélo de ville, un vélo de route, un VTT plutôt typé cross-country, puis enduro, typé descente. Donc il y a vraiment une gamme énorme. Et je suis curieux justement, toi, quand tu courais en compétition en cross-country, comment le e-bike venait compléter ton entraînement, quel était le rythme et qu'est-ce que ça t'apportait en plus dans ta préparation d'avoir cette assistance? En fait, ça a permis de transformer des sorties de récupération, par exemple pré- ou post-compétition, que j'effectuais sur la route, puisque ces sorties de récupération font rouler en endurance de base, en gros, il faut rouler doucement. Et en VTT, on ne peut pas rouler doucement lorsqu'on a des forces pourcentage, lorsqu'on est dans une pente, on ne peut pas rester en endurance de base. Donc ça me permettait de quand même faire ces sorties en VTT. Et grâce à l'assistance électrique, je pouvais maintenir mes watts constants et mon effort est resté dans l'endurance de base. Donc ça, c'était la première chose. Et également, j'ai rapidement compris qu'on pouvait travailler la technique avec un e-bike, puisque les vélos ont vraiment évolué et maintenant les vélos sont très performants, même s'il y a un moteur, une batterie, que le vélo est plus lourd. Les vélos sont très performants, donc ça permet de travailler la technique sans avoir besoin de recourir à des remontées mécaniques ou à des shuttle voitures, puisqu'on peut accéder au sommet de la montagne grâce à l'assistance électrique et à la force quand même musculaire, et ensuite pouvoir redescendre et accumuler du coup un dénivelé négatif très important, beaucoup plus important, 60% plus important qu'avec un vélo classique. Et aujourd'hui, donc, comme tu disais, on a des compétitions de e-bike sur lequel tu t'alignes pour le plaisir. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique qui est complètement différente en e-bike qu'en vélo classique? Oui, c'est ça aussi qui pimente un petit peu la compétition, c'est qu'il y a cette gestion de la batterie, puisque que ce soit une compétition e-bike de cross-country ou d'enduro, on n'a souvent pas de changement de batterie autorisé, donc il faut gérer sa capacité de batterie pour ne pas finir sans assistance, puisque un vélo assistance électrique, lorsqu'on n'a plus de batterie, par contre, c'est plus compliqué. Donc ça pimente un petit peu le jeu, il y a cette gestion-là qui est sympa.
Et un mot sur le Vélo Vert Festival, fidèle au rendez-vous. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet événement, chaque début de juin, chaque année? Le Vélo Vert Festival est devenu incontournable, un gros festival qui permet de regrouper vraiment et de mettre en relation les pratiquants, les passionnés avec les marques. Et les gens viennent ici pour essayer les vélos, pour voir les nouveautés. Et c'est sympa de voir tous ces passionnés du vélo, quels qu'ils soient, regroupés dans un magnifique endroit, magnifique lieu, avec à proximité de super pistes pour aller tester les vélos. Donc vraiment, vraiment super. En plus, cette année-là, la météo va être au rendez-vous tout le week-end. Donc ça va être un magnifique week-end. Quelle est la suite pour toi? La semaine prochaine, un gros événement avec Bosch pour les 10 ans de Bosch dans l'e-bike, donc dans leur siège près de Stuttgart. Et puis ensuite, la compétition cross-country reprendra ses droits en juillet avec un gros enchaînement de Coupes du Monde. Donc je suivrai mes coureurs, les coureurs de l'équipe Absolute Absalon. Un beau programme, merci beaucoup. Et puis assez rapidement, fin d'été, le championnat du monde e-bike auquel je participerai. Très bien, on va suivre ça de très près au Canada. Oui, à Mont-Sainte-Anne, Québec. On va regarder ça de très près. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. On regarde justement le calendrier des prochains événements VTT en France et en Suisse, avec notamment un événement spécial vélo électrique, le Verbier e-bike Festival. Le dernier week-end de juin, du 28 au 30, venez découvrir le domaine des Portes du Soleil sur le parcours de la Passeport du Soleil. 80 km entre 1000 et 2400 mètres d'altitude entre la France et la Suisse. Partez de l'une des 9 stations du domaine au choix pour une boucle somptueuse ponctuée de ravitaillement gourmand. De nombreuses variantes sont possibles pour permettre à tous les pilotes de se faire plaisir sur le parcours. Le week-end suivant, du 5 au 7 juillet, du côté des Portes du Mont-Blanc, la MB Race sera de retour pour une nouvelle édition. Cette course au programme, dont la course emblématique, la MB Ultra, considérée comme l'une des plus difficiles au monde, et pour la 3e année consécutive, étape de la Coupe du Monde Marathon UCI. Le Freeride World Tour se met aux couleurs estivales et vous invite à redécouvrir Verbier et le Valais aux lueurs de l'été avec un tout nouvel événement 100% VTT électrique, le Verbier e-bike Festival. Du 15 au 18 août, venez découvrir la région, ses paysages et ses saveurs sur l'une des courses au programme. Du Tour du Mont Blanc à la rando gourmande, il y en aura pour tous les goûts. L'occasion aussi de peut-être trouver votre fidèle destrier pour vos prochaines aventures grâce à un salon et village test dédié au e-bike. Et en attendant, quelques conseils pour bien choisir votre VTT électrique tout de suite dans le spot. Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur marketing chez iBike, partenaire du Vélo Vert Festival. Déjà, premièrement, pourquoi cet événement
est incontournable dans le calendrier. Alors oui, effectivement, on est attaché à cet événement qui est dur depuis des années. C'est surtout pour l'ambiance et l'atmosphère qui se dégage. C'est pas simplement un rassemblement de personnes qui viennent faire du vélo, c'est un peu plus. Il y a une philosophie qui va autour et on est vraiment content de venir tous les ans pour faire essayer nos vélos, rencontrer nos utilisateurs, pouvoir communiquer avec eux, échanger, leur faire essayer les vélos de la gamme en cours. Et effectivement, c'est un rendez-vous qu'on ne manquerait pas dans l'année en fait. C'est pour ça qu'on est partenaire officiel. Depuis quelques années, on ne peut pas passer à côté le phénomène du vélo électrique, du VTT à assistance électrique. Il y a plein de termes génériques, mais je profite que tu sois avec nous pour nous dire quels sont les critères à prendre en compte quand on veut acheter un vélo électrique. Alors oui, tout à fait. C'est vrai que le vélo à assistance électrique maintenant a pris une bonne part du marché. Il faut rappeler qu'il y a aussi encore du vélo classique. Oui. Pour acheter un vélo à assistance électrique, il y a plusieurs types de personnes. Au début, c'est vrai que c'était un peu stigmatisé sur un type de personnes, des personnes âgées, des personnes avec des problèmes cardiaques. Et effectivement, on essaie de casser ces codes depuis des années et on est en train de s'apercevoir que de plus en plus, les pratiques sont de plus en plus diversifiées. Donc on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a vraiment des gens qui ont des pratiques très engagées, des gens qui ont des pratiques lifestyle, urbain, qui vont travailler avec le vélo tous les jours. Mm-hmm. Donc le vélo électrique, pour moi, répond à une large gamme d'utilisation, que ça ait effectivement du trajet quotidien pour aller à son travail, à la personne qui va faire de la compétition très engagée à haut niveau. Oui, on le voit que les compétitions de vélo électrique se développent. On en a sur le Vélo Vert Festival. Oui. Vous en organisez une demain, une compétition d'enduro. Tout à fait. L'enduro électrique iBike. C'est ça. On va en parler tout à l'heure. Les vélos à assistance électrique deviennent de plus en plus techniques. Donc selon notre pratique, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il va falloir regarder si on veut acheter un vélo électrique, si on veut faire du vélo pour des petits trajets du quotidien, si on veut aller faire de l'enduro, si on veut aller faire de la descente, si on veut faire du cross, enfin, quelles vont être les spécificités à regarder sur un vélo pour acheter un vélo électrique ? Alors je pense que la base, c'est le revendeur spécialisé. Nous, on a un réseau de plus de 200 revendeurs sur toute la France et c'est vraiment des spécialistes et c'est eux qui sont à la base de tout. C'est-à-dire que nous, on produit des vélos, on spécifie en fonction des pratiques et après, effectivement, c'est vraiment votre interlocuteur qui va vous permettre, qui vous connaît le mieux, qui sait quel vélo sera adapté à votre pratique, à votre taille, en fonction de comment vous allez orienter. Effectivement, si vous avez une pratique plutôt tous les jours, vous avez une large gamme de vélos lifestyle, urbains, qui vont, comme les vélos qu'on voit ici, c'est des vélos cold sink, qui ont des enjambements faciles, garde-boue, lumière, ils sont vraiment taillés pour aller sur la route tous les jours, pour faire des kilomètres. Et à côté, on a l'exemple complètement différent du vélo engagé, d'une pratique avec un gros débattement, une fourche à l'avant, un amortisseur à l'arrière, des gros pneus. Et là, on est tout de suite sur une gamme déjà un peu plus évoluée, où la personne va chercher la performance et des terrains un peu plus engagés, effectivement. Dans les vélos techniques, pour la performance, pour la pratique sportive, quels vont être les différents modèles de vélos électriques toujours ? Alors chez nous, on classe les modèles par débattement, c'est-à-dire que vous allez trouver le Downhill, qui est le vélo de 200 mm de débattement, qui correspond à une pratique freeride très engagée. Derrière, vous avez l'enduro en 180 débattements, l'Allmountain en 150, et vous allez aussi trouver du Full 7 en 120, et du Full 7 LT qui va vous donner aussi un débattement de 150. Donc vous voyez qu'on a vraiment un spectre large, et que tout pratiquant va se retrouver justement dans un vélo à un moment donné. Et après, il faut aussi voir que le vélo assistance électrique, c'est pas que du vélo de descente. On a un peu rabattu les cartes avec ça maintenant. Il faut prendre en considération que des vélos avec des plus gros débattements vont vous emmener justement à les franchir à des endroits où vous n'y attendez pas avant. Et c'est vraiment ça, We Are E-Performance chez iBike, c'est ce qu'on développe, c'est notre leitmotiv, c'est-à-dire que vous emmenez à des endroits où vous ne pensiez pas aller avant avec un tel type de vélo. Et si on veut s'aligner sur la course d'enduro électrique iBike de demain, quel type de vélo il va falloir prendre ? Pour moi, l'idéal, ça serait de prendre la gamme Enduro chez nous, donc en 180 débattements avant-arrière, en pneus de 27+. Là, c'est vraiment le vélo qui est taillé pour ce type d'événement, qui va vous permettre d'avoir du confort en descente, avoir un moteur performant en montée. C'est vraiment, pour moi, l'essentiel qu'on va rechercher dans ce type de pratique. Parlons justement un peu de cette course. Est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes, le parcours, le profil de la course ? Ben oui, ça tombe bien parce que en plus d'être partenaire, moi je pratique aussi tous les ans. Je vais sur la course pour me rendre compte, échanger avec les gens et justement être au cœur un peu de l'action. Alors j'ai pas le niveau des premiers, mais effectivement je prends beaucoup de plaisir tous les ans. On va se retrouver sur 5 spéciales cette année, qui sont chronométrées en descente. Le reste c'est du parcours libre, avec justement des temps quand même à respecter pour arriver dans des créneaux horaires, sinon on est éliminé ou on est hors temps.
Et ça se fait quand même entre potes, entre les spéciales, ben, on monte, on discute, on déconne. Et après, dès que le chrono il sonne, ben, c'est compétition, on part par vague de deux. Donc je pars avec notre pilote ambassadeur Xavier Morovelli. Et une fois que les chronos sont lâchés pendant deux minutes jusqu'à 5 ou 6 minutes pour certaines spéciales, et ben, c'est la guerre. Et un départ du centre du village sur votre stand. Exactement, c'est une spécificité. On a un camion podium justement qui se déplie sur 7 mètres de hauteur et on fait partir les gens depuis ce camion, depuis la première plateforme. Donc pour montrer effectivement que jusqu'au bout on y croit et que c'est vraiment chez nous qu'il faut venir trouver ce genre de vélo. On regarde en image. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Un week-end riche en couleurs pour cette édition anniversaire. Près de 45 000 visiteurs et 8 000 pilotes étaient de la fête. Au total, 16 courses et balades ont pimenté ce week-end ensoleillé à Villard-de-Lans. Et pour varier les plaisirs ou se lancer dans l'aventure, les festivaliers ont pu découvrir toutes les nouveautés au sein d'un salon VTT de plus de 300 marques, premier centre d'essai au monde. C'est un événement qu'on affectionne tout particulièrement, où on est à la rencontre de nos consommateurs avec qui on peut discuter, échanger, faire essayer des produits. C'est vraiment un échange direct qui nous plaît beaucoup et qui nous permet aussi de nous remettre en question et de discuter avec les gens. On retrouve cette fête du vélo tous ensemble, même si on est plus nombreux qu'avant. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment cool, d'avoir su faire grandir l'événement tout en gardant l'esprit et les valeurs de base de l'équipe de Vélo VA, des amateurs de vélo. Là, on a au départ de la Massive au Vélo VR Festival. Et du coup, ce matin, c'est la qualif et on est avec les potes pour s'amuser. On espère se régaler, quoi. Sur 15 minutes de descente de plaisir pour terminer le week-end, c'est juste ce qu'il fallait, quoi. C'est un moment de détente, c'est super bien placé pour nous dans la saison. Et voilà, c'est une ambiance assez spécifique qu'on aime avoir. Une édition à la hauteur de toutes les attentes, sans nul doute, le Vélo Vert Festival a encore de longues années devant lui.
C'était le Vélo Vert Festival 2019, 10e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour la 11e. Un grand merci à nos invités Julien Absalon et Thomas Mehi. Merci à vous tous pour votre fidélité. La semaine prochaine, dans le spot, direction les Hautes-Alpes, on vous emmènera au cœur de la 7e édition de l'Outdoor Mix Festival. Du VTT, du kayak, du parapente, du kitesurf ou encore de l'escalade. Il y en aura pour tous les goûts. À la semaine prochaine.